Coucou, bonjour la grande famille des armes lourdes de Congosat Télévision. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne, votre chaîne Armes lourdes de Congosat Télévision, votre chaîne socioculturelle. Quelles sont les news d'aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, c'est un peu particulier, c'est l'arrivée de Jean-Claude Van Damme en RDC, précisément à Kinshasa. Ouh, qu'est-ce qu'il est venu faire? Ben, je vais vous laisser suivre. Il est venu travailler sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Je pense que c'est sur l'invitation du président Fatshi Bé-Bé-Béton. Alors, l'acteur Jean-Claude Van Damme, que vous connaissez très bien, ça c'est vraiment notre enfance. On nous dit souvent qu'il est congolais, il est né à Likasi. Toi, tu connais, viens un peu nous expliquer. On nous dit souvent qu'il est né au Congo et tout, à Likasi, à Lubumbashi. Bon, moi je sais pas trop, ça c'est ce qui se raconte, c'est au Congo et tout et tout. Toi, viens un peu nous expliquer, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu crois? Moi, je ne sais pas trop. Moi, je vous ai juste dit qu'il est au Congo et tout. Il est trop attaché aux Congolais. Il est trop. On le voit souvent souhaiter des joyeux anniversaires à nos musiciens. Quand on gagne, l'équipe nationale gagne. Il est là, il est content. On ne sait pas trop. C'est vraiment notre frère. Ben, moi, je ne sais pas. Viens un peu nous dire, toi, la congosseuse, les congosseurs, viens un peu nous expliquer. Donc, voilà, moi, je vais encore vous apporter plus de news avec, dès qu'il y a une news avec le président et tout, je vais encore vous apporter. Alors là, je vous laisse suivre son interview. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous laisser suivre. Alors, toi, viens un peu nous dire dans les commentaires, est-ce que tu aimes Jean-Claude Van Damme? Ah, qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué dans ces films et tout? Par exemple, moi, j'aime bien Double Impact. Ah, c'est mon film préféré, Double Impact avec les Thaïlandais. Alors, toi, un peu, viens un peu nous dire, est-ce que tu l'aimes aussi? Ah, donc, voilà, ça, c'est notre enfance. Il a vraiment marqué notre enfance, Jean-Claude Van Damme, avec ses coups-là et tout et tout. Ah, donc, voilà, moi, je vous laisse. Si tu n'es pas encore abonné chez Armes lourdes Congosat Télévision, abonne-toi pour ne rien rater. Bande konaran, abando louba, oh, Jean-Claude Van Damme, boye billet, Azana Congo, Nicole. Sur invitation, il y a président Nabiso Fatshi Bé-Bé-Béton. Donc, notre tiki minobo l'interview naye avec Salanini. Donc, voilà, tout mon animal à Sima. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rien rater. Bye bye, bisous, à la prochaine. Nous avons des photos. L'éducation, du sport, de la santé, de l'infrastructure du pays, dont certains projets comme le Fatshi City, pour donner beaucoup de travail aux gens. Je ferai de mon mieux pour être derrière ces projets. Une chose est certaine, je donnerai tout mon cœur et je suis très honnête dans mes paroles. Et ça, c'est le temps qui va décider. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent dans des tas de pays, dans la politique. Et j'ai aussi beaucoup d'amour pour la faune, pour les animaux. Et le Congo est un pays qui doit être protégé contre beaucoup de gens qui prennent beaucoup d'avantages sur ce pays. Donc, c'est très important pour moi. Et quand j'avais 9 ans, c'est une histoire peut-être bête et simple, quand j'avais 9 ans, je regardais avec mon père en noir et blanc
le film Tarzan. Tarzan, Jane, Chita. Et mon père m'a dit un jour que le Congo ne sera pas protégé dans le futur. Et ça m'a travaillé dans la tête, et j'adore les animaux et les gens au Congo. Et je ferai de mon mieux, j'ai 61 ans, j'ai fait beaucoup de films. Et si je fais encore un film ou deux ou trois, ça n'a rien changé. Donc je crois que Dieu m'a donné le cadeau d'abord d'être connu. Et grâce à ça, maintenant je peux peut-être aider mieux que je peux. Je dis peut-être parce que je ferai de mon mieux. Ce pic est formidable. Et je le pense évidemment. Un mot aux investisseurs qui résistent, qui hésitent encore de venir en RDC, parce que vous venez comme un investisseur pour travailler dans le secteur de l'infrastructure, sport, éducation et autres. Alors, c'est là qui hésite encore de venir en RDC pour matérialiser la vision du chef d'État. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme message? C'est très important. D'abord, on vient en unité petite, parce qu'on ne peut pas aller toute la ville, comme on dit en français, c'est ça? L'équipe, d'abord on va s'asseoir, discuter, digérer toutes les idées, mettre tout ensemble. On va prendre des photos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.